C'est pas du boulot, ça. Hé, est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est rien. Rodrigue. Dis, cette porte, vous l'avez déjà ouverte? Elle est coincée. C'est le seul endroit du château où on n'est pas encore allé. Tu veux pas va la défoncer? Ben, Hugo dort. La porte. Très bien. Oh. C'était... Rodrigue. Rodrigue en pagne? Ou avec des... Très bien. Alors, petit corbeau. Ça vaut pas un garde de l'Inquisition. Je le fais pas dire. Mais je vais pouvoir continuer à montrer. On voit tout. Et personne ne nous voit. Le monde a oublié ce château. Attention, Rodrigue, va. Allons jeter un coup d'œil. Ça, en moi, je sais le faire. Ok. Et voilà. Eh ben, c'était efficace. Oh, Rodrigue. Allez, en avant. Rodrigue. Rodrigue. Oh. Tu sens ça? Non, quoi? Quand tu entres dans un endroit abandonné depuis très longtemps, il y a quelque chose dans l'air. Oui, de la poussière? Non, non, des pierres. C'est comme surprendre une conversation. Mmh. C'est la première fois que je le sens ici. Ok. Tellement de testostérone, Rodrigue. Non, mais ce forgeron de l'enfer. Je suis sûr que ce Rodrigue peut remplacer les trois drôles de dames avec tout seul. Ça a l'air casse-gueule. On va éviter pour l'instant. Encore une porte. On continue. Plus, j'adore comment il est vulgaire. Oh, mais... Je pense que les flics, hein, je pense que dans la police, pour défoncer les portes, ils prennent un Rodrigue. Ils sont deux à le prendre comme ça par les pieds. Et il y en a deux qui le prennent par les épaules. Ils utilisent un Rodrigue pour défoncer des portes comme ça, pour ouvrir des endroits qui sont condamnés, tu vois. Bien sûr. Voyons. Ça nous mène. Oh. Pour toutes les personnes qui... Ça fait un raccourci. Pour toutes les personnes qui boivent de la bière pour décapsuler, on va utiliser un Rodrigue, tu vois. Oh, j'avais oublié. Pratique. J'ai trouvé quelque chose en débroussaillant le centre de la cour tout à l'heure. Viens voir. Encore une histoire de pierre? Ah, tu crois pas si bien dire. Pierre? Attends. C'est qui cette poufiasse? Ouais, je reviens. Je vais crafter. Et tu vas voir ce qu'elle va dire, Pierre. Explique-moi. Voilà. Ok, très bien. C'est un rapport. Amicia, viens voir ça. Non. J'arrive. Non. Non, je veux pas. Non. Ça m'intéresse plus. Non, je fais pas la tête. Allez. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, hein. C'est d'une beauté, hein, mon gars. Ok. Je peux le faire attendre. Très bien. Parfait. On peut monter par là, hein. On peut le voir. Très bien. Il va nous montrer quelque chose. Une fresque. C'est... Ça me dit quelque chose. Elle reprend les symboles des piliers. C'est comme si ce château avait quelque chose à nous dire. Et nous dire quoi, par exemple? Tout n'est pas clair. Mais je crois juste qu'on sera en sécurité ici. Amicia! Viens vite! C'est Hugo! Oh non. Oh, j'arrive! Non. T'as besoin de moi? Je t'appellerai! Allez! Allez! Oh, comment c'est rassurant, mon gars. Ah, j'ai peur de... Je suis là, Lucas! Oh, vite, non. Hugo! Oh mon dieu! Ah, j'ai très peur avec les vénules noires qui je sont apparues. C'est de pierre en pierre. La macula progresse beaucoup trop vite. Je sais bien, Amicia, je fais de mon mieux. J'ai essayé de faire ce qu'il y a dans le livre, mais ça prend trop de temps. Il me faudrait un vrai laboratoire. Comme celui de Laurentius? Non, non, un laboratoire mieux équipé. Alors, peut-être que chez nous... Tu sais, ma mère... Oui, elle avait sans doute du matériel. Tu as raison, ça vaut la peine d'essayer. Amicia, Lucas. Oh non.
crois bien que vos jumeaux sont de retour. Melly, tu l'as retrouvé? Plus mort que vif. Mais oui. Amicia, on est venu parce que... Eh ben... Ouais. Arthur, tu lui dis. Après notre aventure avec tes copains brûleurs d'hérétiques, j'ai fini dans un cachot de l'Inquisition. Un jour, j'ai vu les gardes qui escortaient une prisonnière dans un sale état. Ces salauds voulaient qu'elle leur dise où était son fils, alors... Hein? Ils l'ont menacé. La barricade? Et j'ai entendu son nom. Béatrice de Rune. Mère est en vie. Elle est en vie? Tu as réussi à faire sortir Arthur. Ça n'a pas été facile, crois-moi. Mais tu pourrais... Oublie ça. Moi, j'étais rien pour eux. Mais elle... Elle est trop précieuse pour le Grand Inquisiteur. Il... La questionne. Régulièrement. Il la... Torture? Hugo ne doit rien savoir de tout ça. Mais elle est en vie. Ça pourra l'aider. Et on lui dira quoi quand il voudra la voir? Non, on ne dit rien. C'est tout. Oh non! Hugo! Hugo! Le prochain seuil, il est tout proche. On doit partir tout de suite. Chez moi! Maintenant! Vas-y, toi. On reste ici avec lui. Ça va aller, petit frère. Je te le jure. Cette fois-ci, on réussira à te guérir. Bon, je prends le Sanguinis Itinera, quelques potions, et on y va. Voilà. Tout commence à afficher le camp, hein. Tout commence à afficher le camp. On y est. Amicia, ça va aller, t'es sûre? Oui. C'est seulement... Enfin, c'est bizarre de revenir. Allons-y. C'est beau, mais je c'est beau, pas mon revenir gars. Ici. Pas aussitôt, en tout cas. On trouve les potions et on s'en va. On rentrera peut-être même avant le lever du soleil. Ça me va. Un vieux réflexe de Dead Space où tu pouvais appuyer on et... On peut pas traverser ici. Ce pont avait au moins un siècle. Tout a l'air complètement ravagé. C'est la fin du vieux monde. Comment tu peux rester aussi calme? Tu pouvais avoir une piste holographique, en fait. Un petit laser qui t'indique où tu devais te rendre. Regarde, l'étendard de l'Inquisition. Ils sont encore là? Soyons prudents. Mais regarde comment c'est beau, quoi. Je dois arrêter de m'émouvoir de... Non, je dois pas arrêter de m'émouvoir de la beauté. Ils ont dû passer par là. Tombe pas, ne tombe pas. Ok. Les écureuils, colonel. Qu'est-ce que c'est? Non, non, qu'est-ce que c'est que ça? Attention, Lucas! Mais... qu'est-ce qui leur prend? Je sais pas, mais ça me donne la chair de poule. Ne restons pas là. Ils ne font même pas attention à nous. Mais... what? Mec... Le tourbira! C'est peut-être une parade nuptiale. Certains animaux ont des rituels très étranges. Il y a une différence entre étrange et terrifiant, Lucas. Mais pourquoi pas? Ce sont des animaux. Je commence à avoir des doutes là-dessus. Lucas, on s'en occupera plus tard. Viens, il y a forcément une raison. Et j'arrive pas à savoir s'ils sont en train de s'entre-dévorer ou quoi. Un petit molotov peut peut-être résoudre... Mais... Wouah! Mais... Attends, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Il se passe rien! Ah, il creuse peut-être?
C'est horrible, s'ils sont si gros, c'est horrible. Oh, ils ne veulent pas qu'on passe, on dirait. Quand on a fui la maison avec Hugo, quelque chose s'en est pris aux gardes. Je crois que c'est grâce à eux qu'on s'en est sorti ce jour-là. Je vois. Ah mais ils sont devenus dingues là. Les lieux d'émergence, mais leur comportement est pour le moins étrange. Mais Sandek ! Et c'est horrible comment ils se tournent vers toi ! C'est horrible ! Ils sont encore plus vénères là ! Ils sont encore plus vénères. Non. Ils sont encore plus vénères. C'est vrai, ils sont mignons. On répète. Ils ne sont après pas moi. Les bienvenus ici. Je vais leur montrer. Oh. Non, ces petits mignons. C'est chez moi ici. Vous entendez ? Chez moi. Techniquement, c'est plus chez moi que chez toi, mais enfin voilà. Je vais pas paraître obséquieux, mais. Allez, salut les pichounets et pichouna. Ok. Encore des rats. Le domaine est droit devant. Tu sens qu'il y a un côté genre revanchard hein, là-dedans. Tu sens qu'il y a vraiment un côté revanchard en mode personne n'aurait dû s'en prendre. Là, une porte. À mon domaine. Oh, fermé. Il y a une chaîne de l'autre côté. Ok, je vais récupérer tout. Attends, ça. La lanterne. Ils devaient l'utiliser pour faire passer leurs troupes. Oui, bonne je idée. Sais bien. J'aurai un angle de tir. Tu peux retourner en bas. Dis-moi quand t'es prête. Non, non, mais je veux accéder à ça, en fait. J'ai pas de petite brindille pour me faire économiser un... Non ? Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a pas ici ? Je peux looter. Oh, il y a du loot à l'intérieur. Je veux accéder à cet intérieur-là. Il me semble qu'on... Oh là, oh là. Oh là ! Alors non ? Ok ! Ah, je veux en adopter aucun là. Recule. Voilà, viens dans la lumière, mon gars. On va éteindre. Voilà, très bien. On va lancer le Doris là-bas. Parfait. Et hop. Et ils sont bloqués dans la maison. Et voilà. Et comme ça, on peut accéder à l'intérieur. Ah ben voilà. Le calame de mer. Elle écrivait ses lettres ici avant de les envoyer par pigeon. Je peux pas le laisser là. Oh. Elle tenait beaucoup. Plein je crois qu'elle serait touchée que tu le gardes. De l'autre côté, maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que... Est-ce qu'on va pas lancer une bombe atomique à l'intérieur là ? Est-ce qu'on ferait pas ça ? Un petit napalm ? Regardez, en plus il y a une petite ouverture là à l'entrée. Regardez. Voilà. Je vais pas brûler hein, si j'y vais, hein. On est d'accord. Hein. On est d'accord ? On a qu'à dire qu'on est d'accord. On est d'accord.
Bon, ça valait le coup, hein. On va poursuivre. On va sortir de la cour. Lucas, on n'est pas seul. Oh. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ok. Ok. Pardon? Un garde. Il est encore en vie. Quelqu'un. À l'aide. Les rats. T'as remarqué? Toi, dis-moi, combien vous êtes ici? J'ai mal. Je veux pas crever comme ça. Comme ça? Je vais compter sur tes doigts et tu vas me dire stop. Tu mérites cette mort. Pitié? Je t'interdis d'utiliser ce mot. Bon, je peux rien tirer de lui. Très bien. C'est comme ça qu'on fait. Ouais, le mieux c'est d'utiliser un Doris ici. Voilà, comme ça on passe. Qui êtes-vous? Je suis la fille de Robert et Béatrice de Rune. Oh non. Oh, pitié. Pitié, je t'en prie. Silence. Je te laisse à ton sort. J'aurai ma vengeance, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Eh ben mon gars, comment tu vas te faire karmater? Très bien. Alors. Comment fait-on? Ouais. C'est compliqué, hein. On peut pas. On peut crafter, hein. J'ai plus de matière première pour faire les Odoris. C'est-à-dire qu'après ça, je n'ai plus du tout d'Odoris. Attendez, est-ce qu'on ne pourrait pas genre tous les bloquer dans un endroit en éteignant certains endroits? Non, un caillou peut-être. Allez-y, il est à vous. Il a eu son compte. Amicia. Hé hey, t'es encore là? Hé hey, réponds-moi. Salaud. Qu'est-ce que vous lui avez fait? J'ai vengé les miens. Tu paieras pour ça. J'ai déjà payé par votre faute. Mais je refuse de perdre plus. Tu entends? Voilà. C'est comme ça qu'on sachant. Oh, j'ai failli appuyer sur espace ici. Et là, j'éteins là. Mais oui, mais bien sûr. Non, sois maudit. Extinguis. C'est pas dangereux. C'est plus sûr comme ça. Je trouve ça atroce. Tu dis pas ça pour me faire plaisir, mais encore. On y est. Lucas, derrière cette porte, je comprends. Je suis avec toi. Allons-y. Est-ce que c'est réel? Ma maison. C'est encore là-bas? Non.
Non, par pitié. Amicia, on peut s'arrêter. Trouver un autre chemin. Non. Je dois voir. C'est incroyable. 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 Pardon. Est-ce que c'est ton père ? Ils ont pris du... Et vous avez pris la confiance, hein ! Est-ce que c'est fini ? On dirait... Il nous a sauvé la vie. On fêtera ça plus tard. Il faut qu'on atteigne la chambre. C'est la fenêtre juste au-dessus. Tu devrais prendre la torche. Elle est bien. D'accord. Je vais nous guider. Merci. Ils ont tellement pris la confiance. Oh. Oh non. Incroyable. Père, ils ont pris son corps. Ils me l'ont pris. J'aurais dû l'enterrer. J'aurais dû... Désolée, je suis désolée, Amicia. S'il vous plaît, faites qu'il repose en paix. C'est beau et horrible, je suis tout à fait d'accord. Pourtant, vous m'avez déjà entendu blaguer en disant oh, « c'est beau et sale ». Et bien là, c'est vraiment beau et c'est vraiment sale. La musique joue pour beaucoup, hein, surtout que c'est pas... Ah voilà, une question jeune. Ah, j'ai envie d'avancer avec la torche baissée vers le bas. Oh. Yeah. Le cadavre, celui sans armure, c'est un de nos servants. Mais attends. Oui, les gardes ont été dévorés, mais pas lui. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je le savais, la brisure, ces remous continuent de se propager dans le temps. Ok. C'était chez moi, ça. Si Rodrigue était là... Il y a un côté fascinant à cette exploration, hein. Voilà. Je dis pas ça parce qu'il y a du loot, hein. Aussi. Oui, il les évite. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Ça a bien géchant, l'urbex. Waouh ! Waouh !
On y est. C'est là-haut. Là-haut. Dans les étoiles. Monte. Je vais t'aider. J'arrive. Ok, y a rien. Le ciel s'embrase. Oh, attention. On dirait qu'ils convergent tous ici. Ils vont vers sa chambre. Partons. Mais what? La potion pour Hugo doit être là. Mais... Ok. Lucas, tu as vu ces pots? De simples infusions. Insuffisant. Il doit y en avoir d'autres. Ok, très bien. Yeah, c'est dingue. On y est? Oui, c'est la chambre d'Hugo. Allons-y. Ah. Là, il y a d'autres pots. Tout est exactement comme avant. Ben ouais. Non, sacré c'est pas ça. Purificateur d'air. Ça non plus. Oh, non, Lucas. Rien à voir. Pourquoi la chambre est restée intacte? Non, 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 c'est pas ce qu'on cherche. Toujours rien? Non, tout ça, ce sont des potions ordinaires. Ta mère devait travailler sur un élixir bien plus complexe. Il y a forcément autre chose, un autre endroit, une autre non, pièce. Ça un me dit rien. Magnum, ça ne se fait pas comme ça. Elle a forcément un laboratoire quelque part. Je sais pas, je vois pas où. Laurentius, il avait installé son laboratoire à l'abri des regards. Ta mère, elle aussi, a dû... Elle me disait rien. Je la voyais jamais. Mais justement, il n'y a pas un endroit où elle ne voulait pas que tu ailles. Je sais pas, un endroit qu'elle eh protégeait. Il y avait les ruines romaines. Elle disait que c'était dangereux. Les ruines romaines? Oui, c'est bien une idée d'alchimiste, ça. Tu sais précisément où c'est? Dans le jardin. Allons-y. C'est une privée de joke d'alchimiste. 13. Ouais. Mais tout est nickel ici. Hein. Ils s'en vont? Non, ils se rassemblent. Tu veux dire... Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on peut pas juste... Tu ouvres un chemin dans ton corps en fait. C'est pas Lucas, c'est pas un super investissement à court terme. Lucas, oh. J'ouvre un chemin à droite. Oui, oui ben. Oui, j'arrive. Le président Macron aussi, c'est pas pour ça que. Allez. Où ça? Un loot, ça? Attends. Oh, très bien, ça. Bon, là, ils sont bloqués, là. Ok. Lucas, sans mourir cette fois! Lucas. C'était juste. Avance. Tout va revenir. Amicia, j'ai peur. Le blanc. Je suis là avec toi. Allez, il faut continuer. Mais. Ah, je crains le. Oh, je crains que en arrivant là. Mon Dieu. C'est encore pire que ce que je pensais. Tout est mort. Les termes, ils sont où? Là-bas, à l'autre bout. Waouh. On doit traverser ça. Non. Mais, je sais. Bien sûr que non. On va y arriver. Non.
Attention à la musique. Dans deux secondes. Une fleur. Ah non, la musique reste la même. Bien vu. Une quinte feuille, je crois. Hugo ne voudrait pas qu'on la laisse là. Oh, ok, ok. Outlast 2. Très bien, allez. Mais regardez, mais oh, regardez. Aïe, 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 aïe. C'est une violence. Prépare-toi à courir. Prêt. Ok. On avance, allez. Ok. Je suis pas sous tension, hein. Pas du tout sous tension. Allez, allez, croise-toi. Merci de ton soutien. Pas du tout, hein. C'est bon. Tout se passe bien. C'est pas vrai. Regarde ça. Oh, c'est horrible. C'est le seul chemin vers les termes. Attends, le chariot. Allume le feu et on le pousse et... Non, je l'allume et toi tu le pousses. Non, quoi? Moi tout seul? Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu crois qu'ils vont nous laisser passer ah, comme attendez. Ça? Ah, attendez, si. D'accord, d'accord. Mais prépare des munitions, parce qu'il est hors de question qu'on ait fait tout ça pour rien. Très bien. Le problème, c'est que si je les rassemble et que je les fais boum, il y en a tellement... Je veux bien, mais... Et puis là, ouais. C'est vraiment... solution temporaire, mais c'est vraiment la solution de barbare, quoi. Est-ce que nous sommes des barbares? Répondez pas. Je vais crafter. Et toi, tu vas mourir, tu vas souffrir. Ok, ok. Patrekes, est-ce que tu es prêt? Ouais. Advienne que pourra. Ce que c'est. Lourd. Allez, juste un effort. Roderick, lui au moins, il aurait pu pousser deux fois plus vite. Tu dis dans une cave. Le sol vibre. Oula, où ça? Oui, oui, ils arrivent. Ne les laisse pas approcher. Écoute, si tu veux que je te passe la fronde, c'est bon. J'y crois. Je m'en occupe. Alors, je suis peut-être un peu en stress. Peut-être. D'où? D'où? Ok. Oh, oh. Vous avancez un peu vite. En poussant un chariot, tu ne vas pas mourir, Lucas. Personne ne meurt avant qu'on ait atteint ces terres. Mais je vais d'abord looter avant qu'on meure. Depuis qu'on se connaît, nos vies sont guidées par le chaos. Peut-être, mais c'est moi qui tiens la clé. Alors calme-toi. Je viens pas te faire de ce que je viens de faire. Où ça? Vite, ça se... Vous ne nous arrêterez pas. Tu tiens le coup? J'ai mal aux jambes. On approche. Bah en vrai qu'il aurait pas mal. Je fais tout ce que je peux. La lumière là-bas. Les termes. On y est presque, Lucas. Amicia. Je sens venir le coup à ce qu'il y ait une tornade, un tourbillon qui nous arrive par l'arrière. Sur la bonne voie, oui. Mais il faut encore qu'on vive jusqu'au bout.
Lucas, on l'a fait. Ah, franchement, c'est pas aussi évident que ça que de lire Twitter, hein. Merci, Lucas. Tu vois, c'est sacrément costaud. Oui, mais je crois pas que je remarcherai un jour. Allez, je sais pas ce que ma mère cachait là-dessous, mais tu veux pas rater ça, hein. Ça... MDR. Non. Allons-y. Tu veux pas rater ça. Ok. Lucas, c'est là. C'est là que j'ai vu mourir ma mère. Mais Arthur a dit qu'elle était en vie, non? Oui. C'est le corps de ce pauvre Lambert. Il a dû prendre le coup à sa place. Non! Elle est encore en vie. Mais il l'a... Je sais. Mais pense à ton frère. Il faut qu'on avance. En termes de mise en scène, c'est génialement bien pensé. C'est juste génial. C'est super bien pensé. Ok. Ces marches, ça me rappelle mon enfance. Tant mieux. Parce que on va avoir besoin de tes souvenirs. Ma mère refusait que je vienne ici. Okay. Elle disait que c'était dangereux. Dangereux pour elle, sans doute. Tu n'as rien trouvé? Non. Pourtant, j'étais une sacrée fouineuse. Mais on est deux cette fois. Et toi, tu n'es plus une enfant. On va trouver. Oui. Wow. Qu'est-ce qui se passe, les petits ratons? Non, on va pas pousser ça, on va d'abord voir la zone. Donc pas très bien. Lucas, regarde, ça ressemble à la morsure. Une fresque romaine. Ça pourrait être la peste de Justinien. Laurentius m'en a parlé. Un véritable massacre. Pire qu'aujourd'hui? Difficile à dire. C'était au 6e siècle. Lucas, ces termes ont été bâtis par un gouverneur romain au 6e siècle. Cette fresque n'est pas là par hasard. Et nous non plus. Ces bâtisses ont été construites sur un cimetière romain? Ok. On va faire ça en deux temps. First time. Deuxièmement. Troisièmement. Voilà. Viens m'aider. J'arrive. Ok, un body, c'est ok. Oui, là, c'est compliqué, disons-nous. Est-ce qu'on y va au napalm? Est-ce que c'est raisonnable? J'aimerais que vous sachiez que l'hérésie, c'est nul. Ça, c'est le sudatorium. C'est ici que les... Le sabatorium? Grâce à de la vapeur, oui. C'était... Oh, regarde. Mais attends. Ces sculptures. Quoi? Des animaux alchimiques. Amalgamation et sublimation. Et ce symbole, ça c'est aussi la putréfaction. Ces symboles me fascinaient. Il y en a aussi dans les deux autres bassins. Trois symboles, quatre sculptures. Il y a du feu là-tout. Alors, on doit pouvoir éclairer les autres. J'ai envie d'arriver dans son dos et de le pousser. Oh, c'est joli, c'est joli. C'est joli, le sabatorium. Oh.
dire. What? Le serpent, il m'a causé quelques cauchemars, celui-là. Lion. Le lion. Oh, lion, mon chien. J'espère que tu es heureux là où tu es. Le cygne, imposant et gracieux. Comme moi. Là, près du symbole éclairé. Les dalles se sont affaissées. Je pense que tu peux passer. Je vais descendre. Reste ici. Entendu. Le crapaud, toujours aussi moche. Ok. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, il manquait plus que ça. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Ça grouille. Il y en a partout autour de moi et j'y vois rien. Ok. Allez, c'est parti. Je vais essayer de te guider. Et comment tu comptes faire ça? La lumière. J'attends près des bassins. Courage. Est-ce que c'est rassurant? La réponse est non. Ok. C'est pas loin d'un symbole. D'accord, j'avance. Oh, non, 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 non. Oui, non. Tu vois quelque chose? Oui. Il reste encore un symbole. Est-ce qu'on a craint quelque chose? Est-ce qu'on a craint? Tu as craint de l'autre symbole. Continue. Je fais aussi vite que je peux. Oui, je fais aussi vite que je peux. Donc calme ta joie, mon poteau. Ok. Le symbole est apparu. C'est la sublimation. Tous les bassins vont s'éclairer. Très bien. Tu peux revenir. Il faut que j'arrive à sortir d'ici. Comment j'ai fait ça? Merci, Lucas. Continue de me parler. Je sais pas. Ah, c'est l'histoire de Toto. Il arrive avec un Iranien dans un bar quand tout à coup. Mais la réalité, c'est autre chose, hein. C'est le pire. Rien de tout ça n'a l'air réel. Si, Toto, il est plus réel que ce que tu imagines, quand même. Oh. Bonjour. Est-ce que je l'ai fait en first try? Est-ce que je l'ai vraiment fait en first try, là? Tu as révélé la putréfaction, la purification et la sublimation. Crapaud, cygne, serpent sont exposés à la lumière. Donc notre ami le lion doit cacher quelque chose. Eh ben... Dans sa gueule, peut-être? Aidez-nous, mère. Vas-y. Tu as percé son secret, Amicia. Tu l'as mérité. Wouah! C'est une bonne idée là ce qu'on est en train de faire là? Mon dieu! Ici. Sandek! Ça a l'air immense. Garde tes munitions. Je m'en occupe. Voilà. Merci! Radin! Alors, qu'est-ce qu'on a? Des produits de complément, des stabilisateurs, des réactifs, des matériaux nobles largement supérieurs à ce qu'on a vu dans la chambre. On est sur la bonne piste. Bien. Bien. Oh là là. Amicia! Ce sont des notes de ta mère. Tenter une nouvelle transformation, mais l'élixir est incomplet. Le flambeau du porteur se dérobe, laissant mon fils dans les ténèbres de la Macula. Elle était sur la voie, Amicia. Ce que l'on cherchait forcément ici. Mais où? À quoi ça ressemble? Là, il y a quelque chose, on dirait. Une autre fresque. Un enfant, dans les bras de sa mère. Mais... ces marques sur son torse, Lucas. La prima Macula.
Mais cette fresque a au moins 8 siècles. Pourtant, ça a déjà eu lieu. Oui, mais combien de fois? Qui sait? Sanguinis itinera, les voyages du sang. La macula voyage à travers l'histoire. Elle a déjà changé le monde et elle le changera de nouveau. Cette boîte porte un phénix, le symbole du grand œuvre alchimique. Amicia, je crois qu'on a trouvé. À toi de l'ouvrir. D'accord. Lucas, regarde. Cristallisation avancée, couronne vert bleu, substance claire. De l'acide. Quoi ? Lucas ! Parfum d'ambre incroyable. Mais dis-moi à la fin, qu'est-ce que c'est ? L'élixir pour Hugo. Elle y était presque, mais elle n'a pas eu le temps de le finir. Tu veux dire le même élixir que tu... Oui, sans le livre. C'est vraiment incroyable qu'elle ait pu aller aussi loin. Mais alors, on peut peut-être s'en servir ? Avec le livre et mes préparations, je crois... Je crois que je peux même le terminer. En tout cas, tu as l'air bien parti, Maître Lucas. Pourquoi elle m'a rien dit? J'aurais compris. J'aurais pu... Aïe! Amicia, j'aurais fait pareil à sa place. C'était une alchimiste, et puis une maman, ça protège ses enfants. Tu crois pas? Oh non. Non, non, pas maintenant. Comment on va sortir d'ici? T'occupe pas de ça. Termine l'élixir. Je vais les retenir. Oh non. C'est pas vrai. Pourquoi maintenant? Lucas, il faut accélérer. Je lis. Ta mère s'est arrêtée au cas de l'effort du soleil. Elle a retrouvé le flambeau, mais pas le moyen de l'allumer. Ça n'a aucun sens. Ce sont des symboles. Elle cherchait un élément manquant, mais le livre dit « Tu videras la coupe pour que l'esprit la remplisse ». Béatrice se trompait. Il ne faut pas ajouter, mais retrancher. Trouve-moi du macérat pendant que je prépare le mélange. Il doit y en avoir ici. Du macérat ? Qu'est-ce que c'est ? Où je le trouve ? La pharmacopée. Non ! Je m'en occupe. Oui, du calme. Celui qui œuvre à travers ses mains. Alors, prépare-toi. Voyons ça. Ok. Lucas, le mécanisme, c'est le même que celui du château d'Ombrage. Okay. Je te l'ai dit, ce n'est pas un hasard. Comment je fais pour accélérer là, maintenant? Je sais pas, je suis ouais. Attends. Alors, tu as le macérat? Je peux très pas bien. Y aller. Il y a trop de rats autour. Comment on peut faire? Le rideau, c'est là. Du coup, comme ça. Il y a trop de peau, Lucas. J'y connais rien, moi. Cherche celui qui pue très fort. Mais ils puent tous. Je suis même pas sûre que mon effet... Jérémy ! C'est toi la solution, Jérémy ! Oh ! Oh, c'est bien ! Oh, c'est atroce ! Oh. Lucas, j'ai trouvé ! Parfait ! Remporte-le ! Du premier coup ! Il se regroupe ! Oui ! J'aime pas ce bruit ! Allez, on va réveiller ce phénix. Doucement, arrête de trembler. Calmement. Ok. Tiens, Odienne, on y est presque. J'arrive. C'est méga rassurant. Ah, mais au même endroit. Légère altération de la couleur. Bien, mais pas assez. Ok, elle aime le Lucas. Alors pourquoi tu rajoutes des choses dedans? Ajouter pour retrancher. Le bras zéro, Amicia. Tu dois m'ouvrir un passage jusqu'aux alambics. Eh bien, soit, va pour les alambics.
Ok. Ouh, on va aller à l'orbique. Ok. Et oh. Non. Beyblade. Alors là, ça va être un peu complexe. L'alambic est à l'opposé. Amicia, ils vont étendre le brasier. Alors ça jamais. Ok. Ah bah c'est bien, comme ça je suis pas le seul à dépenser, tu vois. C'est très bien. Ok. Allez, vas-y, vas-y. On est large, on est large. Non, on dit le cours d'histoire. Fais pas de bêtises. Je sais ce on que dit pas je le chat machine. Enfin, on dit du chat machine. De toute façon, c'est trop tard pour reculer. Fais attention, c'est tout. Alors, Lucas. Allez, allez. Oh, attention, Lucas. Derrière toi, c'est horrible. Donne-moi ton alcool le plus pur. Voilà, la porte du soleil. Le flambeau du porteur. Amicia, ramène-moi. Tout de suite. Oh, déjà, s'il te plaît, déjà, pour commencer, tu vois. Ok. What? Ciao! Tu as allumé le flambeau! Je sais pas ce que tu fais, mais fais-le! Moi, je vais les couper! Oui, mais genre accélération accélérée, tu vois. Je sais, je n'entends. Ah, wow. Lucas, je n'ai plus rien. Lucas, qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi, et c'est comme s'il le savait. Allez. Wow. Ne traînons pas ici. Alors, à toi l'honneur. Seul le pénitent le passe. Lucas, tu as réussi. On a réussi. Laurentius serait fier de toi. Je suis fier de toi. En tout cas, c'est une certitude maintenant. Si l'élixir est relié au rat, ça veut dire qu'il y a un lien avec le porteur. Commençons déjà par sauver. Ça respecte bien. Ça respecte. Mais what? Truc. Rodrigue, explique-moi ce qui se passe. Rodrigue. Rodrigue. Et voilà. Ils sont là. Je suis pas jalouse. Notre apprenti alchimiste a fait des merveilles. On a l'élixir. J'ai toujours su que t'étais un bon. Merci. Venez. Allons voir Hugo. Oh Hugo, je crains le pire pour Hugo. Oh. Non. Hugo. Oh là là. Tu dors pas? On a réussi, regarde, l'élixir. Trigger warning. C'est Lucas qui l'a fait. Tiens, vas-y. C'est peut-être un peu amer. C'est pas grave. Bois tout d'un seul coup. C'est bien. On a mis du rhum. Et je vais être guéri maintenant. De la vodka. Bon, en tout cas, tu vas aller beaucoup mieux. Amicia. Maman, on la verra vraiment plus jamais. Oh, Hugo. Tu sais bien, elle... Elle reviendra pas. Non. Mais elle a pas mal là où elle est. Non, non, bien sûr que non. On va tous dormir maintenant, hein. Et demain, quand
tu te réveilleras, ça ira beaucoup mieux, tu verras. Tu vas dormir pour de bon. Oh là là, le trigger. Les relations comme ça, fraternelles ou familiales comme ça, c'est... Autant je suis pas très très famille, autant je trouve que quand c'est bien raconté, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Oh là là. Pénitence. Amicia, Amicia, tu vas pas le croire. Roderick a battu Arthur à la fronde. Mais n'importe quoi, il était devant la ligne. T'es juste mauvais. Oh, oh mais c'est Roderick. Vous avez encore. Bah oui, si vous respectez pas les règles, forcément. Les règles. Hugo, c'est toi qui dis ça. J'arrête pas de lui vous dire. Vous avez vu Hugo? Hugo. Je crains le pire, genre Hugo, il est en train Hugo. de commander les rats, tu vois. Avec des yeux rouges et tout, il est... Oh non. Il est... Il est parti. Non. Hugo, mais... Nonny. Ça va être un passage un peu fantasmé ou quoi? Ne t'arrête pas. Continue. Hugo! Qu'est-ce qu'il a fait, Hugo? Où est-ce qu'il a pu aller? Je crains le pire. Réfléchis. Il y a un côté très rêve. Hein. Réfléchis. Qu'est-ce que... Ouais. Un village? Ici? Non, mais non, c'est un rêve. Attendez. Voir un cauchemar. Passez par ici, s'il vous plaît. Oh, Amicia, ça va mieux? Le petit va bien? Clairvie? Bien. C'est vous? D'ici sur vous 10. Avez vu Hugo? Tu lui as encore crié dessus? Non, non, pas du tout. Oh, les temps sont trop durs pour se disputer. Mais on se disputait plus. Amicia, un enfant ne... Je pense qu'elle va se faire perforer à l'approche si c'est un cauchemar. Ouvrez-moi. Je vais le retrouver. Bien, mais sois prudente. Non. Un mauvais vent arrive, Amicia. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Amicia, t'attendais. Viens avec moi. Laurentius, c'est vraiment vous? Où est Hugo? Il est parti. Je savais bien que ça arriverait. Pourtant, j'ai veillé sur lui. Pourquoi est-il parti d'après toi? Je sais pas. J'ai tout fait pour le protéger. Même des choses horribles. Il est facile de faire couler le sang. Mais aimer, protéger. Je vais le retrouver. Alors va. Et prie pour qu'il soit encore temps. Maman, j'ai entendu du bruit dehors. Hugo. Quoi? C'est lui. Non, je crains bien. Mère? Amicia, viens ici. Oui, mère. Ton frère est là. Il va bien? S'il est revenu, c'est qu'il ne va pas bien. Mais pourtant, j'ai tout fait. Tu lui as caché la vérité. Mais... Ses émotions, Amicia. Je t'avais prévenu. Laissez-moi le voir. Il ne souhaite pas te voir. Avec qui tu parles, maman? Je dois le voir. Il n'a plus besoin de toi. C'est faux. Alors vas-y, vois par toi-même. Non.
Je crains le pire. Hugo, tu vas bien? Non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu m'as pas dit que maman était en vie? Hugo, c'était pour ton bien. C'est pas vrai. Tu voulais pas que je le sache. Ne dis pas ça. T'es jalouse. Jalouse. Laisse-moi. Oh, Hugo, oh, où es-tu? Laissez-moi. Ok. Quoi? S'il vous plaît. Non. C'est lui? Chez moi. Hugo, je peux partir. Il est là. Oh, merci. Arrête de gueuler. Elle est où ta sœur, hein? Je sais pas. C'est vrai. Ça ferait une jolie prime en plus. C'était tout. Amicia, je suis là. Vous l'approchez pas. Vous juste vous l'approchez pas en fait. Juste. Ça va? Ils t'ont pas fait mal? Non. Mais pourquoi tu es partie comme ça? J'ai rêvé de maman. Elle m'a appelée. Tu as dû faire un cauchemar, c'est tout. J'ai vraiment cru que c'était elle. Elle avait mal et... Elle ne souffre plus là où elle est. On en a déjà parlé. Mais... Elle est partie, Hugo. Tu dois l'accepter. Rentrons. D'accord. On doit retrouver le château. Eh ben... C'est bien raconté, hein. Bien bien raconté. Hein. Maman, Amicia, c'est maman. Quoi? Ça vient de là-bas. Faut y aller. Non, tu n'y vas pas. Mais pourquoi? Lâche-moi, Hugo. J'arrive, maman. Reviens. De mime. Même moi, je l'entends. Non, Hugo. Là, elle est là-dedans. Mais en fait, c'était pas comme ça. Elle. Qu'est-ce que tu... Je suis encore dans le rêve. La dernière fois que j'ai ressenti un truc comme ça, c'était pour Akira. Incroyable. Mais cette ambiance et cette narration... C'est fini. Je peux aller la voir maintenant? C'est le grand inquisiteur qui décide. Mais vous avez dit que... Ce que je dis... n'a pas d'importance. Seul compte la parole du grand inquisiteur. Mais ne t'inquiète pas, tu comptes vraiment beaucoup pour lui. Ok, le mec, il a une scarification sur le front, et ouais, ça va très bien se passer. Ratatouille. Tu es son follower préféré, petit Victor. Hugo, Victor, je sais pas. Lequel des deux vous êtes ?
Oh non, stylé. Ça fait mal. Je dois trouver maman. Je sens qu'on va devoir ou pouvoir manipuler quand est-ce que ça va s'arrêter, hein? Bientôt. L'heure de la... les rats, je pense qu'on va pouvoir les manipuler. Mais pense à Vitalis. Ton calvaire n'est rien à côté du sien. Waouh. Ouais, c'est ça. Okay. Waouh. Non, 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 non. Sans deck. Metal Gear Solid. Hugo Edition. Des matières, or unique. En te brisant, je t'ouvre la voie vers le sang de l'élu. Tout va bien. Tout va bien. Mini Gear Solida. Ah, il récupère mais tout ce qui est organique chez les rats, hein. Est-ce que j'ai... Quelqu'un vient. Medicus, que donne le raffinage aujourd'hui? Raffinage, excellent. Mais la masse des sandwichs bruts diminue. Nos récolteurs se font décimer par les rats. Faites au mieux. La vie du grand inquisiteur dépend de la qualité du distill. Ok, ok, ok. Pratique quand même ces couloirs. Ce petit moment de gameplay, il est savoureux. Hein. Je ne cache pas que c'est... Parce que... Il y a quelque chose de profondément vrai. Hein. Ouh, les bouteilles. Faut pas les cogner. Le corps du grand inquisiteur est... Il y a quelqu'un qui s'amuse ici. Non! Pas par là. Par ici alors. Va-t'en. Va-t'en. Quand c'est arrivé? Non. C'est faux. Je fais la même taille debout et assis, tu sais quoi? Je vais pas mettre dans un placard. Ah. J'ai cru que c'était un mur avec l'obscurité. Sans deck, mon gars, sans deck. J'avais réussi en first sight, j'étais là, je vais pas aller au bout quand même. Parce que c'est un mur, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis un mur à 50 cm d'un début de couloir. Franchement, c'est vraiment pas malin, le game design. Hey, en bas. Le distillat, c'est technique. Ils
va bientôt falloir changer les filtres et racler les cuves. Ouais, tu vois ce que je vais racler. Hein. Allez. C'est ok. 20 barils. Nous avons presque atteint l'objectif. 20 quoi ? J'espère. Ça a mangé. Non. Allons voir ça. De... Putain, tu vois la différence entre l'infiltration ou la l'issue situationnelle entre Amicia et Hugo. Amicia, elle vient, elle fait des clés de bras, elle envoie des grenades dans le nez, de l'acide, des explosions. C'est du Michael Bay, elle remet des ses lunettes de soleil, des explosions comme ça au ralenti. Elle fait, nous fait des burly brawl, elle nous fait des trucs mal. Lui, il se fait repérer, ils finissent même pas leur phrase. Que tu as le générique de fin, il fait ta 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 la la ta la ta la ta la. Il même pas, il commence à faire hein. Et puis voilà, t'as la fin. C'est vraiment deux ambiances, hein, deux salles d'ambiance. Hein. C'est un géchant, Center Park. Déjà un miracle que le corps de Vitalis accepte de telles quantités d'épicentres. Oui, ah, ça glisse même pas, c'est nul. J'ai pas peur. Pendant la conjuration, hein, t'en es? Ouais. Je suis affecté au parvis de la cathédrale. Ah, ça veut dire que tu seras tout près du grand inquisiteur quand il nous libérera. Alors que moi, je serai passé ici. Qu'est-ce que c'est pour ce caramel, mon gars? À la fin de la mordure, ça va être une sacrée fête. Allez, allez, courage. Ah, j'ai envie de... tu vois, j'ai... Sirodra. Bravo. Personne t'a vu. Oh, attends. Comme Mélie. Oui, enfin. Elle peut me cacher. Pas peur des puissants bruits. Il finira aveugle. Oh, c'est sûr. Apparition. Ninja. Disparition. Ninja. Ça passe. C'est le serrage de fesses. Ici, entre. Ok. Oh, elle est trop choupi, on dirait un petit rat comme ça qui se déplace. Il suffit. J'exige de voir Vitalis immédiatement. Le grand inquisiteur est très occupé. Okay. Et personne ne s'est alarmé, hein. Les années Dead by Daylight se font sentir. Bien sûr. Sa mission n'a jamais eu l'accord de l'Église. Je ne vois ici qu'hérésie et occultisme. Mais non. Franchement. Le suivez sur cette route infernale. De l'é. Rési. Maman. Tu es où? C'est lui qui va sauver sa mère. Torture à Ninja. Oh non, il doit pas me voir. Sandek ! Je vais dans le placard là, je sens. Hein. Sandek ? Ok.
Magister, le texte mentionne bien la Magister lors Magister de la grande peste de Justinien. Je le savais. La noblesse romaine l'avait isolé du peuple et lui vouait un culte secret. Ah ouais, 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 totalement. Ouais. Peut-être un ancêtre d'Hugo de Rune. Continuez. Il parle de moi. Magister. En libérant le pays de la morsure, le grand... Ça se dit en latin ecclésiastique. Oui, ça se dit en latin ecclésiastique du bouche noir. Hein. Oh non, serrage de fesses. Ou marche aux côtés de celui qui l'adopte. Maître ou esclave. Ordre ou chaos. Mais... droite ou gauche. Comment en être sûr? Okay. First try, les textes de recherche de Béatrice de Rune sont totalement cryptés. J'abandonne. J'ai une bonne nouvelle. Ils l'ont enfin déplacée au pouvoir. Non, 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 alors c'est pas... elle va céder. Vous vérifiez. C'est pas trop tôt. Maman. Rien, fausse alerte. Grave. Le mec il se cache sous la robe du moine. Le moine il fait: est-ce que j'ai vu quelque chose? Et il entend sous sa robe: maman. Tiens. Que vois-je? Que vois-je? C'est rien. Ok. Il va se tourner de l'autre côté. À droite. À droite. Logiquement, c'est à droite. Logiquement, on sait comment ça se passe. Ça se finit toujours à droite. J'étais dans ses jupes pourtant. Les textes de recherche de Béatrice de Rune sont totalement cryptés. J'abandonne. J'ai une bonne. Ils l'ont enfin déplacée au sous-sol. Alors, elle va céder. C'est pas trop tôt. Très bien. Yes. J'avais une fausse moustache, des fausses lunettes, comme ça, avec un plateau. Je suis ici juste pour le service. Amicia, j'ai retrouvé maman. Je n'ai rien à voir avec un petit enfant de 8 ans. Nine, nine. Je suis là pour vous aider. Vous et toute l'organisation. C'est comme ça qu'on fait. Moi, je ne suis juste un adulte qui ressemble à un enfant. Ils ont dit, je dois continuer à descendre. Ok, ok. Ok. Vous me confondez, hein, monsieur? Est-ce que je serais allé sous Foshup en disant maman, Nine? Je suis quelqu'un de la même organisation que vous. C'est trop grand ici. Ce monsieur, c'est qui? Et si je lui demandais directement? Ok. Grand Inquisiteur. L'archevêque est arrivé. Parfait. Faites-le entrer. Vitalis. Monseigneur Gautier, avez-vous fait bon voyage? Épargnez-moi les politesses. Votre petit jeu n'amuse plus, Vitalis. Un jeu, monseigneur? Croyez-vous qu'un jeu puisse changer l'avenir du monde?
Mais écoutez-vous, vous avez complètement perdu la raison. Tout ceci... Permettez. C'est important. Nous l'avons, le sang du goût de rune. Oh. L'avez-vous testé? Oui, hélas, monseigneur. Le garçon aurait déjà dû franchir le premier seuil, mais quelque chose dans son sang a freiné le processus. La macula est toujours dans son état premier. Peu importe. Si les textes sont exacts, son sang et le mien vont être liés. Le pape se fait snobber hein, pendant ça. Lorsque l'enfant passera le prochain seuil, le disrespect. Je le passerai avec lui. Waouh, on fait pas ça dans les veines, les mêmes, attention. Waouh. En voilà assez. Vous jouez les martyrs, mais je vais vous dire la vérité. Vous n'êtes qu'un hérétique que le pouvoir a rendu fou. Même le pape vous voit comme une menace. Vitalis Benevo, vous êtes excommunié. Ça a mal fini, hein. Ça m'a fini, on sait que ça m'a fini. Vous êtes excommunié un homme, monseigneur. Mais pas un saint. C'est la fin de votre inquisition. C'est donc le début d'une nouvelle ère. Il va commander les rats. Pantins comme vous me supplieront à genoux de les sauver. Il est avec nous. Fort bien. Allez voir si Béatrice de Rune a repris connaissance. Il fait peur, mais je dois le suivre. Il le perd ? Il a le même but. Nous combattons le fléau. Seules nos méthodes diffèrent. Sa fille fait la même erreur. Il ? Stupide. Rien. Repos. Ad Ignem. Ad Lucem. T'as dit quoi de ma mère ? Avez-vous vu le grand inquisiteur ? Oui. Le sang du porteur coule dans ses veines. La conjuration aura lieu. Splendide. C'est bientôt la fin du fléau. Exact. Mais nous devons poursuivre nos efforts. Ouais, vous m'avez grave capturé là. Demandant à voir sa mère. Oh. Le gamin a le sens de l'humour. Il ne va pas le garder longtemps. D'ailleurs, je dois voir sa mère. Maman, qu'est-ce qu'il va lui faire? Ok. Il y a un gamin. Wow, wow, wow. Non, non. Non, je suis... Ok. Non, il y a... J'espère que le gamin dont il parle, il va bien, j'espère. Il s'en va, vite. Attends, il s'en va, il s'en va. Parce que je vais aller là? Non, je veux pas aller là, je veux aller là. En le disant. Oh là là! Oh non! Un autre chemin! Vite! Capitaine,
On m'a dit que le porteur de la Macula est ici. C'est vrai. Comment le mec il m'a snobé la porte. L'enfant s'est livré de lui-même ce matin. J'espère que l'enfant dont il parle va bien. Comme je vous le disais, ce garde a été dévoré. Mais pas complètement. Ses os ont été découpés et emportés par les rats. Dans quel but? Pour les incorporer à cette matière que l'on retrouve un peu partout. Vous voulez dire leur nid? Ils utilisent nos morts pour bâtir leur nid? Exact. Nid. Et si nous ne faisons rien, à la vitesse où les morts s'accumulent, ces nids finiront par se rejoindre pour ne former plus qu'un. Je vous le dis. Alors prions pour que la cérémonie de conjuration de Vitalis ait bel et bien lieu. Où il est? Je trouverai pas maman sans lui. Impossible. C'est pour maman. Alors... Non... Chère maman, j'ai bien suivi les cours. Tout s'est très bien passé. Le cours de SVT, stylé. Quoique un peu poussif. Chère maman, le périscolaire coûte cher. Ok, normal. Normal, 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 normal. Sandéric. Mathéo s'est porté volontaire pour le cours de SVT. Oh, des rats sans poils. Dites, vos nouveaux rats, là. J'arrive pas à vous entendre comme les autres. Vous n'avez rien à craindre d'eux. Des milliers de croisements et un peu d'alchimie ont eu raison de leur instinct. Sans compter un changement radical de régime alimentaire. Ah, bien. Sans déconner. Petit, aide-moi. Aide-moi. Qu'est-ce qu'il a encore, lui? Oh non. Hey, crève en silence. Il y a des gens qui travaillent. Je préférerais qu'ils attendent un peu. Les rats préfèrent la viande fraîche. Soyez maudits. Vous irez tous en enfer. Vous et vos putains de rats. Oh. Savourez ce repos. Il va chercher maman. Votre mort n'est pas une fin, car votre sang nourrit une nouvelle race d'anges. Oh, mec. Et regardez les mains, oh, les poignets retournés. Votre fierté. C'est horrible. Vous avez, vous aussi, eu ce fantasme de vous servir la glace dans les distributeurs de glace. J'ai toujours rêvé de ça, hein. J'ai toujours trouvé ça hyper stylé. Ah
à un distributeur de glace près, c'est presque pareil. Une lame sous la gorge, elle coopérerait. Tu connais pas ma mère, hein? Ok. À tous les coups, il y a un passage. Pratique, ces cellules. Genre grave pratique. J'ai vu passer le seigneur Nicolas. La mère de Rune va passer un sale moment. Elle l'a cherché. Une femme aussi savante. Elle aurait dû rejoindre nos rangs. C'est une porte-tête, mais pas assez pour résister à notre bourreau. Elle doit être tout près. Ouais. C'est moi qui va sauver ma Mother, quoi. Ok. Wow, wow. Au moins crever là-dehors. Je t'assure, mieux vaut ne pas être dehors. Au moins ici, ta carcasse a encore de la valeur pour nos alchimistes. Profite. Profite. Arthur. Bah, qui profite, on va voir. Hé, hey, petit. Qu'est-ce que tu fabriques ici tout seul? Chut. Je dois trouver ma maman. Oh. Alchimiste. Oh, oh, misère. Tu devrais pas. Je dois partir. Au revoir. Magistrat de Rune. Tu parlais avec maman. Pour la dernière fois, acceptez-vous de répondre à nos questions? Oh, peut-être. M'en voulez-vous encore pour votre époux? Oh, bof, hein. Bien. Notre bourreau va prendre soin de vous. Vous verrez, vous retrouverez vite l'usage de la parole. Oh, non, oh là. Il revient. Cache-toi. Oh non. Trigger, attention. Oh maman. Oh. Maman. Hugo. Mais... qu'est-ce que tu... Amicia disait que t'étais morte. Mais c'est faux. Amicia. Mon petit. S'ils te trouvent ici, ils vont te... Non. Je reste avec toi. Oh, Hugo. Ils ont pris ton sang. Oh, Seigneur. D'accord, Hugo. On va partir ensemble. Mais il faut que tu trouves les clés. Ils doivent les garder dans la pièce, au bout du couloir. Tu crois que tu peux le faire? Alors, vas-y. Allez. Ok. Ok. Fais très attention. Ça m'a traversé l'esprit de faire très attention. Compris. Lorsque je reviens, je veux que tout soit prêt. Là, j'ai vraiment cru que je pouvais passer par là. Oui, Seigneur Nicolas. Alors que... Bon, t'as entendu ? Tout sera prêt. Techniquement, il veut me faire passer dans son dos. Je vais me faire un plaisir de... Contente-toi de faire ton travail. Le capitaine de la garde n'apprécie pas les... Faut qu'il finisse de parler. Moi non plus. Parce qu'il regarde dans oui. Les deux directions. Reviens-moi quand t'es prêt. Je dois les faire partir. Bon. C'est peut-être l'occasion d'une promotion. De l'autorité, des résultats. Bien, bien. Est efficace. Pas de spectacle inutile. Oh, ok. Si Amicia était là... Non. Eh ben, elle aurait tout défoncé avec une grenade. Ils sont aiguisés. Marteau, pince, tison, scie, tout est prêt, j'oublie rien. Oh là, je peux faire tomber des trucs, hein. Non. Non mais sans deck. Alors je peux passer par là-dessus, hein. Si Rodrigue était là... Ah, les rats. Ils ont tous peur des rats. Oh, ça c'est pour les cages. Ok. Oh non.
Il va nous faire une Amicia. Ils seraient tous morts hein, s'il y avait Roderick. Est-ce que je peux tomber? Non. Ça va. Il faut que je le refasse quand il repart. Parce que là, il va revenir. Là, maintenant. Il va se tourner, il va se pivoter, il va venir vers nous. Oui, je viens d'essayer de me jeter dans le vide, absolument. Et ça confirme que non, il y a un mur invisible. Et c'est très rassurant. Allez, allez, passe. Allez. Voilà. Ça, c'est pour les cages. Allez. La cage a lâché. Merde, on reste pas là. Allez, allez. Bien fait. Allez-vous-en, vite, la clé maintenant. J'ai. Ok. On passe. Moi j'aimerais juste pouvoir crier release de Roderick. Ok, est-ce que moi si je passe, est-ce que les races s'écartent? Ou est-ce que je meurs de décès en fait si je fais ça? Ah, c'est un petit signal. J'ai l'impression que c'est un petit nom, hein. Ça marche. C'est aussi ce que dit la modération quand elle bannit quelqu'un. Ok. Et là, les clés. Oh, regarde pas, regarde pas. Ben, ça va être compliqué hein, de faire ça. Ah, là, j'ai l'impression. Hein. Ouais, là. Parfait. Bravo. Tu vois, Amicia, maman va. Oh. Ok. Qu'on doit. Ah, bonjour monsieur, pardon. Wow! Oh, ok. On a les clés, très bien. C'est ok. Là, c'est le passage. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. On l'a, on l'a. Donc, on prend l'accès par ici. Ok. Je crois que j'ai. Oh, il passe encore. Je dois les faire partir de là, avec l'autre lanterne peut-être. Ah bah merci, j'avais pensé, hein. Qu'est-ce que tu crois? Oh! Pas de bras, pas de chocolat, pas de jambes. Maman, j'ai réussi! Oh, bravo! Viens vite! Doucement. Chut. Ils te feront plus mal, maman. Mon héros. Comment tu te sens? Ta tête? Elle parle tout le temps maintenant. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Elle dit que elle veut que je la rejoigne. Le premier seuil. Maman, j'ai peur. On ne sortira jamais d'ici. On n'a pas le choix. Si je suis avec toi, la voix, tu es prêt à lui répondre. Oh non. Hugo, est-ce que tu les entends? Oui. Ils ont tous la même voix. La voix qui fait mal à la tête. N'essaie pas d'ignorer cette voix. Accueille-la. Totalement. D'accord. Mmh.
Tu vois. Waouh. Non. J'ai plus mal à la tête. C'était la Macula, mais tu lui as répondu. Non. Allons-y. Oh là là, mais mon Dieu. Ils ont dû encore lâcher des rats sur les prisons. Oh. Allez. Les rats. Non. Non. Cours, gros bébé. T'as peur, hein? Hugo, ce n'est pas un jeu. Tu dois mon te Dieu! Alors, c'est ça ma maladie? Gros, gros bébé! Tu n'es pas malade, du coup, c'est un don. Bébé. Je t'expliquerai. Un don. Ah, ça va être horrible. Je sens le trigger. On sent tous qu'il y a un truc horrible qui va se passer. Ah, ah, tu l'as trouvé! Ou alors, je deviens fou. Attention à moi. Je vais peut-être essayer d'emmener les rats ici, hein. Peut-être. Ok. Ok. Là, c'est pas la sortie. Si? Oui? Non? Ok. Non. Oh là. En plus, il y a quelque chose de majestueux dans la... Qu'est-ce que les rats foutent là ? Dans la... Qu'est-ce qui s'est passé, bordel ? Musicalité. Au niveau sonore, c'est juste parfait, en fait. Veuillez pousser. Seulement le temps que l'on passe. Ne force pas. J'essaie. Là, il y a vraiment quelque chose de majestueux là-dedans. Dans la musique et tout, il y a vraiment quelque chose de... Les routes sont défoncées. Par où on va passer pour livrer ça? Oh. Il manquerait plus qu'on perde une de ces cages. Attention. Oh. C'est ça, la musique, exactement. Change totalement le fait que ce soit... plus du tout rassurant. Enfin, totalement rassurant. Oh oh. Ah, des rats noirs, merde. À l'aide. Ouais. Bravo. Quel vulgaire personnage. Ces rats. Mais qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Ils leur font manger du sang de gens. Vraiment? Oui. C'est bizarre. Les rats noirs, je les sens, mais pas ceux-là. Je vois. On doit trouver un moyen de sortir d'ici. C'est quand même bizarre de faire manger. Ça va toujours, Hugo? Je me sens un peu bizarre. Ça va te fatiguer, c'est normal. Dis-moi. Oh si là, ça c'est t'as tellement pas. Majestueux comme. Comme gestion. D'ambiance. C'est juste fou. Ça rappelle un peu sur des thèmes différents, gris. La finesse sur la, la manière dont c'était géré. Pourquoi je sais faire ça? C'est le sang qui décide. C'est compliqué à expliquer. Mais Amicia, elle sait pas. Non, je vous expliquerai un peu plus tard. On s'est disputé, tu sais. Ce n'est pas grave, mon grand. Essayons de sortir d'ici, hein? Ok. Je crains le pire. Chère Béatrice,
Vous avez donc enfin retrouvé votre fils. Je sais ce que vous lui avez fait. Vous avez pris ce que vous vouliez. Laissez-le partir maintenant. Vous m'insultez, Madame de Rune. Votre fils est le porteur naturel de la Macula. Et elle n'en a pas fini avec lui. Ce qui veut dire que moi non plus. Mais ça, vous le savez. Vitalis, finissons-en. Nicolas, vous ne pouvez pas comprendre. Tu le ressens comme moi, n'est-ce pas, mon garçon? Nous sommes unis par le sang, désormais. Berk. Qu'en penses-tu, Hugo? Ta famille s'agrandit? Je vous en supplie. Je vous promets de vous aider, mais laissez partir mon fils. Son destin n'est pas d'être un de Rune. Son destin est d'être ici, à mes côtés. Vous êtes un monstre. Un monstre? Allons, allons. Vous n'avez encore rien vu. Oh. Vous ne vendez pas ces bâtons de la mort. Tu es là? Non. Hugo, dis au revoir à ta mère. Oh, tu sais quoi? On va voir qui dit au revoir à qui. Non, 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 non! Tu n'as plus de maison. Tu es à nous. Garde! Vous êtes le point de départ de la conjuration. L'avenir dépend de vous. Et il les envoie sciemment! Les gardes! Tous les gardes, il les envoie sciemment! Il sait très bien qu'ils vont tous mourir! C'est horrible! Horrible! La prima Macula, elle réagit. Continuez. Arrêtez de me torturer. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. C'est trop tard. Allez, le petit faible. C'est horrible. Oui. Ah, ils sont tous envoyés au casse-pipe. Le seul tâton passe de l'autre. Non, Hugo, ne l'écoute pas. Viens à moi. Voilà. Non. Assez. Pardon? Hugo, réponds-moi. Hugo, tu m'entends? Je t'en prie. Il est puissant. Mais il n'a pas passé le seuil comme nous le voulions. Savez-vous pourquoi? Amicia. C'est Amicia. C'est fâcheux. Mais il n'est plus très loin. Et il nous reste d'autres pions à avancer. Non. Emmenez-la. Laissez-le en paix. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ils vont utiliser sa sœur. Il m'en faut plus. Beaucoup plus. Et vous allez rester ici avec moi. Pour bien en convaincre. Ne t'inquiète pas, Hugo. J'ai parfaitement foi en toi. Nous allons y arriver. Waouh. Les liens du sang. Réminiscence. Mais waouh. Meanwhile, Roderick. Amicia, elle est réveillée. Calme-toi, Amicia. Hugo. Chut. On a retrouvé ta trace avec Arthur. Tu as disparu pendant 3 jours, Amicia. Tu es passée à 2 doigts de la mort. Hugo. Laissez-moi.
de rêver. Va voir les autres. Les rats vont bientôt sortir. Il faut allumer les feux. Un mois, c'est oufissime. C'est pas vrai.